Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Une quarantaine de terroristes neutralisés par l'armée burkinabé. L'armée burkinabé affirme dans un communiqué en date du samedi 28 mai 2022 avoir neutralisé une quarantaine de terroristes au cours des actions offensives contre les groupes armés qui servent Venona et Solenzo, boucle du Moron. Les forces armées nationales, en coordination avec les forces de sécurité intérieure, ont conduit plusieurs actions offensives dans le but de mettre hors d'état de nuit les groupes terroristes qui servent dans les environs de Nona et de Solenzo. Ces actions qui ont combiné actions terrestres et interventions aériennes ont notamment permis de neutraliser au moins 9 terroristes dans la journée du 26 mai 2022 dans les environs de Bourasso, province de la Kossi, région de la boucle du Moron. Le 27 mai 2022, un accrochage est intervenu entre une unité en reconnaissance offensive et un groupe d'individus armés à hauteur de la même localité. La vigoureuse riposte des éléments a mis hors de combat au moins 30 terroristes. Plusieurs matériels de combat ont également été récupérés. Côté ami, deux soldats ont été mortellement atteints au cours des combats et 17 autres ont été blessés. Ces derniers ont tous été évacués, pris en charge. Le chef d'état-major général des armées burkinabé salue la mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités pour ces actions audacieuses qui s'inscrivent dans la nouvelle dynamique enclenchée par les forces dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info. Bye bye.